Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Dev Café, votre rendez-vous quotidien autour de l'actualité du développement mobile, et c'est sur cette chaîne YouTube, tous les jours forcément à 7h. Juste avant de commencer, mon petit rappel quotidien, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne parce que vous savez que le robot Google aime vraiment ça. Et cette parenthèse étant dite, je vous propose qu'on enchaîne avec les actualités du jour. On commence ces actualités par une bonne nouvelle parce que comme vous savez, Flutter 3.3 est sorti il y a quelques jours et le problème de cette version, c'est qu'il y avait des régressions au niveau du rendu du texte. Et enfin, hier soir, il y a une nouvelle version qui est sortie, la 3.3.2, et justement, elle vient corriger ce problème de texte, mais pas uniquement parce qu'il y a 5 bugs qui ont été corrigés au total. Je vous avais fait une petite vidéo qui listait les différents problèmes de la 3.3 et en l'occurrence, il y en avait un autour des tests unitaires qui ne passaient plus si vous aviez des assets, bien c'est corrigé. Ensuite, les autres problèmes sont un peu plus anecdotiques, mais voilà. La bonne nouvelle, c'est que ben, maintenant, vous pouvez utiliser la 3.3 en production. Vous n'allez plus avoir de problème avec le texte. On enchaîne maintenant avec Apple qui a sorti en début de semaine une nouvelle version d'iOS, donc iOS 16. Et en l'occurrence, ce qui a été démontré, c'est que l'adoption d'iOS 16 est plus rapide que la version 15. Lors de la première journée, on remarque que iOS 15 l'an dernier était à 6,48 alors que pour iOS 16 c'est 6,71. Mais par contre, c'est bien en deçà de ce que pouvait faire iOS 14 qui lui était à 9. Si ensuite on compare au bout de 3 jours, c'est exactement la même tendance, 10% à peu près pour 16 et 15, là où iOS 14 était à 14%. Donc pour quelle raison est-ce que iOS 14 était finalement autant devant? A priori, on pourrait se dire peut-être qu'il y avait des fonctionnalités qui plaisaient un tout petit peu plus, mais en réalité c'est plutôt le fait qu'Apple auparavant avait tendance à notifier qu'il y avait des mises à jour dès le début, alors que maintenant ils ont plutôt tendance à lisser pour justement éviter les gros bugs de lancement. Donc c'est un peu à mon avis expliquer pourquoi finalement il y a cette petite différence entre les deux. Et pourquoi est-ce que en revanche il y a une petite distinction entre 15 et 16? A priori parce que dans iOS 15 il y avait peut-être un peu moins de fonctionnalités pour les utilisateurs qui pouvaient les intéresser. Ensuite, depuis que la version stable d'iOS 16 est disponible, certaines API qui étaient en cours de développement ne sont plus accessibles en toute logique. Et donc c'est pour ça qu'il y a une version iOS 16.1 bêta 1 qui est sortie hier soir et qui vient donc notamment permettre d'avoir à nouveau les Live Activities API, qui est donc les widgets que vous avez sur l'écran de déverrouillage. Vous avez également le support de Matter, qui est le protocole de communication pour les objets connectés, pour faire à peu près simple. Et également, il y a une nouveauté qui est là très très intéressante, je trouve. C'est un mode Clean Energy au niveau de la recharge du téléphone. Et ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, c'est que autant que vous soyez en USB ou en charge sans fil, le téléphone ne va charger que lorsque les émissions de carbone sont les plus faibles. Donc pour ça, Apple se basera sur des données en temps réel et tout ça. Mais je trouve que la fonctionnalité est très très intéressante, un peu à la manière aussi, vous savez, des téléphones qui se mettent à recharger à certaines périodes plutôt que d'autres. Et bien là, ça va aussi prendre en compte les émissions carbone. Donc pour le coup, on peut dire bravo Apple. Et ce serait même pas mal que Android fasse exactement la même. On continue avec des petites stats autour des paiements in-app. Et comme vous pouvez le voir, en valeur, les paiements in-app ont augmenté de 40% sur iOS et seulement, entre guillemets, 9% sur Android. Donc on se parle du montant des achats, bien évidemment. Donc là, la courbe sur iOS montre une très très nette avance côté iOS, là où sur Android, la progression est quand même beaucoup plus lente. Et selon le cabinet qui a réalisé ces statistiques, cette augmentation assez fulgurante côté iOS viendrait de l'App Tracking Transparency. Pourquoi? Parce que désormais, faire de la publicité, notamment pour des applications, devient beaucoup plus difficile. Mais moi, au final, j'ai quand même un peu de mal à faire le lien entre les deux. Pourquoi est-ce que de la publicité aurait un lien sur des paiements in-app? Et si on regarde ici, on voit bien que les paiements in-app, en réalité, c'est uniquement des achats uniques, alors que les souscriptions, elles ont tendance à pas trop augmenter. Et l'argument du cabinet, c'est de se dire finalement, les applications maintenant sont gratuites, comme ça, il y a peut-être une meilleure visibilité. Et plutôt que d'être payantes dès le départ, elles vont l'être ensuite, mais de manière déguisée. Et c'est pour ça qu'il y a un paiement in-app, alors que les souscriptions, elles, n'ont pas trop tendance à augmenter. Voilà, donc est-ce que cet argument se tient?
Je sais pas trop, mais voilà, c'est ce que eux avancent de leur côté. Ici, vous avez les différents paliers avec le pourcentage auquel ça représente. Donc bon, là-dessus, moi, ça me paraît correct. Par contre, sur Android, je trouve que les stats qu'ils donnent sont assez étonnantes, notamment que le palier sur Android, il y aurait 5% des paiements in-app qui seraient de plus de 100 $. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais rencontré un pourcentage aussi élevé de paiements in-app aussi cher, et voire même, j'en ai jamais vu à ce tarif-là. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, vous en avez déjà vu, parce que voilà, moi, je trouve ça vraiment super étonnant. Allez, on s'arrête quelques secondes sur ces sujets pour passer maintenant aux actualités en bref. Google va désormais distribuer sur sa plateforme Google Fonts des polices avec des icônes en couleur. Cela est rendu possible grâce au format Color V1 uniquement disponible sur Chrome et Android 13. Il n'aura vraiment pas fallu attendre longtemps puisque la déclinaison des nouveaux emojis d'Unicode 15 en version Google est d'ores et déjà disponible pour le web. Côté Android, il faudra attendre la fin de l'année et pour ce qui est des produits Google, la diffusion sera progressive mais principalement en 2023. Changeons de sujet pour basculer du côté de chez Apple, où l'entreprise avait annoncé en août que des nouveaux emplacements publicitaires seraient disponibles sur l'App Store, comme dans la recherche ou dans le flux d'accueil. Selon un email reçu par certains développeurs, ces nouveaux encarts devraient être mis en place pour la fin de l'année. Attention maintenant à votre budget, puisque le patron d'OVH l'avait annoncé il y a quelques semaines et la douloureuse a été confirmée hier. Les tarifs de l'hébergeur vont augmenter à partir du 3 octobre. Un VPS starter coûtera 50 centimes de plus par mois, les offres public cloud vont progresser de 10% et un Kimsufi web verra son prix s'accroître de 10 centimes. En France et depuis 2019, le Health Data Hub, à savoir la plateforme de données de santé, avait été confié à Microsoft pour son hébergement. Naturellement, cela a fait grincer de nombreuses dents par rapport à la souveraineté des données. Mais qu'importe, puisqu'Azure vient d'être prolongée jusqu'en 2025, jugeant qu'une solution souveraine offrant des fonctionnalités similaires était compliquée à trouver. Et enfin, pour conclure, le site iPhone 14 Index indique le nombre de jours de travail nécessaires pour acquérir ces téléphones. En France et par rapport au salaire moyen, un peu plus de 9 jours sont nécessaires pour acquérir le modèle le moins cher. On reprend avec un sujet beaucoup plus orienté développement, et en l'occurrence, sur Android ou sur iOS, on peut faire du C ou du C++, et donc ça veut dire qu'il faut gérer la mémoire, et potentiellement, bah, il faut faire les malloc et les free, comme vous en avez l'habitude. Lorsque vous appelez un malloc, potentiellement, il peut vous renvoyer un pointeur nul s'il n'y a plus assez de mémoire disponible. Et donc, la bonne pratique, c'est d'écrire un code qui ressemble à ça, c'est-à-dire jaloux de la mémoire, et si toutefois ça n'a pas fonctionné, ben, j'essaye de me débrouiller pour régler le problème. Et ce qu'un chercheur a trouvé, c'est que le malloc ne renvoie pas toujours nul. Et même, ça ne renvoie nul que sur Windows. Pour toutes les autres plateformes, Linux, Android, iOS, macOS, ça ne renvoie jamais nul quand il n'y a plus de mémoire disponible. Et ça pose un énorme problème parce que l'application ne peut pas savoir qu'il manque de mémoire et potentiellement faire des actions pour justement essayer de sauvegarder l'état. Si je prends l'exemple d'un traitement de texte, bah peut-être que quand il n'y a plus de mémoire, vite, il faut sauvegarder les modifications. Et bien là, on n'a pas cette possibilité-là parce qu'on n'est pas notifié qu'il n'y a plus de mémoire. Donc du coup, qu'est-ce que va faire le out of memory killer qui est question ici dans l'article? Bah, il va tuer notre process et on n'aura pas pu sauvegarder ce que l'utilisateur avait fait. Et donc, bah, il ne va pas être super content. L'argument de ce chercheur, c'est au final de ne plus dire que lorsqu'on fait un malloc et que ça retourne nul, on fait quelque chose. Vu que ça ne fonctionne pas, au final, ben, il faut d'autres manières de faire. Et lui, ce qu'il recommande, c'est tout simplement de surveiller l'état de la mémoire en général au fur et à mesure de l'application, et en fonction, bien essayer de gérer pour justement anticiper le moment où il n'y aura plus de mémoire et le process sera tué. On continue avec un sujet beaucoup moins complexe que les pointeurs nuls et la gestion de mémoire, parce que c'est des API autour des comptes Google, donc ça s'appelle la Google Identity Services, donc GIS, et il y a plein de nouveaux trucs qui sont super intéressants. Le premier, c'est ce qui s'appelle le Verified Phone Number. Aujourd'hui, dans votre application, quand vous voulez proposer de se connecter à un compte Google, bah vous allez utiliser le Sign in Google, mais vous pouvez aussi dire « je me connecte avec un numéro de téléphone ». Mais dans ce cas-là, généralement, bah, il faut payer parce qu'il y a des coûts de SMS et ces choses-là. Et l'idée de l'API qui s'appelle Verified Phone Number, c'est de se dire « si un compte Google il a un numéro de téléphone, eh bien vous allez pouvoir utiliser cette API qui va arriver à faire le lien entre un numéro de téléphone et le compte Google ». Et il va se passer tout le mécanisme d'authentification. Et l'avantage que ça va avoir, c'est que tout ça, c'est gratuit. Donc plutôt que de dire « je passe par un prestataire externe qui va envoyer des SMS », eh bien ici, vous faites une sorte de lien entre un compte Google et un numéro de téléphone.
Un autre élément qui peut vous aider, c'est le Phone Number Hint. Donc sur Android, vous avez la possibilité de savoir quel est le numéro de téléphone derrière les cartes SIM qui sont dans un téléphone. Mais pour ça, ça demande certaines permissions. Et l'idée de justement ce Phone Number Hint, c'est justement de ne pas avoir besoin des permissions. Et ça va vous afficher la pop-up que vous voyez ici en listant voilà tous les numéros de téléphone. Et vous allez pouvoir pré-remplir un champ texte avec. Donc là aussi, utilisez-le, c'est gratuit, il n'y aura aucun problème là-dessus. Pour conclure cet article, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise. On commence par la bonne nouvelle puisque le sign-in Google va être disponible en natif côté macOS. Et par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ce qui s'appelait le Smart Lock sur Android est déprécié. Donc si vous l'aviez mis dans votre application, eh bien, il va falloir utiliser autre chose. On termine ce Dev Café avec une actualité plutôt juridique, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2018, Google s'était fait sanctionner par l'Union Européenne d'un montant de 4,3 milliards de dollars autour d'Android. Après ce jugement, Google s'était dit non, je fais appel, et justement, bah, l'appel a eu lieu, donc vous voyez, 2018-2022, ça a quand même été pas super rapide, mais le montant de l'amende a légèrement baissé, parce qu'elle est passée de 4,3 milliards à 4,1, mais ça reste quand même un montant historique, jamais en Europe il y a eu un montant aussi élevé. Et on va voir justement qu'est-ce qui est reproché à Google dans cet exemple. C'est tout simplement autour des pratiques que Google a autour d'Android. En l'occurrence, ça concerne Android et les constructeurs, puisque Google forcerait tous les constructeurs à ne pas faire de fork d'Android et également à préinstaller la recherche Google et un certain nombre d'applications. Et ce qu'il y a également, c'est aussi que certains constructeurs et opérateurs sont payés par Google pour qu'il y ait la recherche Google préinstallée. Et donc, à nouveau, Google a été reconnu coupable, mais le montant a été baissé de 4,3 à 4,1 milliards parce que, justement, ce mécanisme de partage de revenus entre les opérateurs, les constructeurs et Google, ce n'est pas une clause abusive. En toute logique, Google a publié un communiqué dans lequel ils disent « c'est nul, machin truc », bref, je vous le lis pas parce que c'est du pur blabla, on s'en contrefout. Quelles sont, par contre, les options que Google a? Donc, soit numéro 1, bah, c'est payer cette amende. Choix numéro 2, ici c'était la deuxième cour, ils ont encore la possibilité de faire appel devant la cour de justice. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils font, sachant que s'ils font appel, ils ont 2 mois devant eux. Juste avant de conclure, on va s'intéresser au petit sondage que je vous avais posé hier, et en l'occurrence, ça parlait d'Android 13 et d'iOS 16, à savoir que lorsque une nouvelle version sort, est-ce que vous vous y précipitez dessus, ou alors est-ce que vous prenez votre temps? Contrairement à iOS 16, où il y a à peu près 6% des gens qui l'ont téléchargé le premier jour, vous êtes 50% le premier jour, vite vite, il faut le télécharger. Ensuite, au cours des premiers jours, c'est à peu près le cas de 25% d'entre vous, et pour les 25 autres derniers pourcents, bien vous préférez attendre encore un peu plus parce que bien très souvent il y a des bugs, il faut quand même le reconnaître, et vous préférez jouer la prudence. Et du coup, j'imagine que vous posez la fameuse question, quelle est la question du jour? Eh bien, aujourd'hui, je vous pose la question autour du mode Clean Energy qu'on a vu sur iOS. Et d'une manière générale, la question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous chargez votre téléphone? Est-ce que vous utilisez que de l'USB? Est-ce que vous utilisez la charge sans fil? Ben, ça dépend aussi, est-ce que votre téléphone est compatible? Voilà, moi par exemple, j'essaye de privilégier l'USB, mais ben, voilà, j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. Donc n'hésitez pas, c'est dans la partie communautaire, si toutefois vous ne trouvez pas ce lien, il est à la fois en commentaire et dans la description, donc il suffit de suivre le lien, vous votez, et ce sera bon, vous pouvez même commenter si au cas où vous avez 2-3 avis à partager. Et voilà, c'était les principales actualités au cours de ces 24 dernières heures. J'espère que ce petit format Dev Café vous a plu une nouvelle fois. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous à 12h30 pour un petit tuto qui sera autour de Flutter. Sinon, je vous donne rendez-vous demain à partir de 7h ou plus tard. Hein, ça dépend quand est-ce que vous préférez regarder la vidéo. Sachant que je vous prépare un truc autour de la publicité et de ce que les opérateurs français sont en train de faire. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, revenez bien demain parce que, bon, elles sont un peu bizarres, ce truc-là. Bref, rendez-vous donc soit à 12h30, soit demain, et je vous souhaite une très belle journée.